Ah, c'est bon. C'est bon, tout le monde est prêt, Bon, c'est écoute, parti. Luke, everyone. La même, tout ça. On y va, ouais, c'est ça. Ouais. On va voir si je peux PB aujourd'hui ou pas. Ça sera la Pour savoir, surprise du c'est chef. quoi l'input final? C'est quand tu tues le boss ou quand tu sors de méga? Dès que t'es sur la world map. D'accord, merci. Donc 61e essai de l'Escape Midgar. S'il y en a un d'entre vous qui peut jeter un coup d'œil sur le site SRL, donc Speedrun Lives, voir si j'apparais ou pas encore, ça devrait pas tarder logiquement. Parce que normalement je suis pas loin des 50 races. Ah, j'y suis! Ah, oh, c'est bon, ça, ça y est, enfin! Donc c'est Ça y est, limite j'apparais compliqué. enfin sur SRL! Bonne nouvelle! Ah, juste, je voulais te poser la question parce que j'avais vu que t'étais arrivé à 49 races. On vient d'aller vérifier pour moi là. Ça, je suis content là. Donc là, c'est ta 50e là, je crois. Ok. Donc, ouais, quand je t'ai vu à 49, je me suis dit, tiens, faudra que je lui demande s'il apparaît. J'espère, j'espère que je vais faire découvrir un petit peu mes streams à tout le monde. Non, une seconde de perdu, c'est pas grave. Ouais, en fait, normalement, je sors en. Je sais plus combien, 2 minutes 30 du menuing. Je suis sorti en 2 minutes 31. Encore un menuing de merde, encore. Par contre, mes déplacements, ils étaient très bons. Oui, c'est vrai que j'ai pas de crash comme la semaine dernière. Connaître la liste des participants. Ok, là c'est pas mal là. J'avoue, elle est pas encore assez sexy, je pense. Puis c'est peut-être le streamer qui est nul aussi, donc ou qui est pas assez connu au choix, ou qui fait pas assez le show. Ok, impeccable.
Ok. Une bonne fuite, ça serait cool pour une fois. Il n'y en a qu'un seul qui attaque au moins. Ok, il n'y en aura qu'un seul qui attaque. C'est à 24 pas. Ça va tes frames là, Léon? Quatorze deux environ par combat. Ouais, c'est encore faiblard. Oh, sérieux. Bon bah, perte de temps. Essayer d'anticiper sur les pas, faut pas le faire. J'ai dû faire 23 pas au lieu de 24 et je me suis tapé le combat. Voilà. Tant pis si j'en fais 20, 25, 26, mais faut que j'arrête d'essayer d'anticiper. C'est exactement ça, Lif. Une fille avec des gros seins et qui fait du lol. Alors t'as le sub en une semaine, sans souci. Oh là là, la perte de temps, j'ai pour moins 15 secondes de perdu là. Fait chier. Au moins, j'ai attaqué avant lui. Ok, donc Barrette en premier. Salut Delta. Le fusil c'est nul. On va regarder qui ici va en deuxième. C'est pourri ça, sérieux. Ok, donc sur CLAD, donc même la queue de scorpion ça suffira pas. Merci de ne pas me donner la limite. Ça dépend, s'il meurt là, j'ai eu un taux gratuit, donc non, il meurt pas là. Il meurt là. Ok, ça c'est grâce au taux gratuit que j'ai eu avant qu'il attaque. D'éclair supplémentaire. Il y a un disque qu'il faut faire différemment par rapport à une full run. C'est ma première run, on regarde juste la route, on regarde le step counter. Donc là, après, je crois pas. Bon jeu. Donc comme quoi, avec un combat supplémentaire, j'arrive à faire identique.
Donc il y a moyen de faire beaucoup mieux que ça. Puis on va santé de Jesse Skip, je l'ai réussi cette semaine, donc il devrait pas y avoir de raison que j'y arrive pas. Mais c'est pas, pas plus que ça. Ouais, c'est moi, j'ai baissé le son de Mumble parce qu'il était trop fort et du coup j'ai pas pensé Je à peux le pas encore augmenter. le confirmer que c'est Et là je peux toucher à j'ai rien parce que sinon l'impression. ça va mettre le jeu en pause. C'est plus le fait qu'il y ait la version sur Enix qui allait plus vite que ce soit la version américaine. C'est bizarre. Ouais, je sais, c'est pas encore suffisant Ouais, et ils se ça sont charmés sur m'énerve. les segments où il n'y a que du dialogue. Mais bon, il n'y a pas le choix, c'est l'un des inconvénients quand tu te brides à 30 FPS, ça diminue tes FPS en combat. Des fois un peu, des fois beaucoup. Donc je perds encore un FPS. On dirait pas, mais c'est énorme parce que ça fait perdre peut-être 2 minutes sur la run, je pense. Un FPS en moins. Ok, je suis passé devant Barrette. Hello, boss Melly Panda. Sorry for this. Ouais, j'essaie de voir si maintenir bas et rond ça pourrait marcher pour ces trucs-là. Je ferai un test cette semaine. Ça marche bien dans les menus, donc ça serait cool que ça fonctionne là aussi. Non, je suis passé sur la version Square Enix, j'ai encore plus de pertes de FPS sur la version Steam. J'ai skip.
Oh non, ça peut parler à Jessie. Raté. Jessie Skip réussit. Oh, Picard, il réussit, il va prendre quand me mettre une avance. Ah, je sais pourquoi, j'ai pas fait diagonale bas droite, j'ai juste fait bas et rond. Ah, oh, quel sac. Ça va eu le coup de s'entraîner cette semaine, moi je vous le dis. Ouais, quand même 15 secondes à gagner sur le Jessie Skip. Comme il était c'est pas aujourd'hui que je vais les gagner. Moyen de comparer. J'ai encore fait le sac, j'ai raté le Jessie Skip. Alors que je me suis entraîné cette semaine. J'ai eu un peu peur parce qu'il m'a semblé être un pixel trop loin, mais bon, c'est passé quand même. Bah, ce qu'il y a, moi, c'est que j'ai fait bas et rond. Alors que quand je me suis entraîné, je faisais diagonale bas droite et rond en même temps. Ah, bah oui. Donc la diagonale, on peut parler aux deux, au final ça parlait juste au garde, ça va parler à Jessie avec Byron. Donc là, pour la prochaine run, c'est un gold si c'est réussi. Sauf si t'es subitement pris d'une crampe au niveau de ton pouce et que tu peux plus mâcher. Tout est possible. Bah ça va, écoute Delta. Donc normalement je pense qu'on devrait perdre un peu de temps avec le Jessie Skip raté, je pense que c'est 2-3 secondes peut-être. Ouais. C'était une bonne semaine là, 7 participants pour FF9, 5 pour le 8, 6 pour le 7 là. Pour 7 secondes, wow, pire que ce que je pensais. Ah, sauf qu'on est 6 nos folles. Il y a juste Sneos qui ne va peut-être pas être visible sur la race puisque c'est son. C'est sa première. Non, Kanju, il m'a déjà battu sur BOF3. Par BOF3, je pense que j'ai pas eu l'occasion de race contre lui, mais il m'a déjà battu. C'est la personne qui a fait les notes pour BOF3 et avec qui je run le jeu. Il est deuxième mondial. Si tu veux des conseils sur BOF3, il y a Leaf, il s'est mis aussi au speedrun. Il a compris sa douleur. Il n'y a pas pire RNG que BOF3. Enfin, j'ai pas rencontré pire jusqu'à présent.
Ah, j'ai pas dit que j'étais premier, là. Hey, poteau sandal, comment vas-tu? Alors, Alundra, comment ça se passe? Alors pour ces derniers temps, j'ai pas trop de bol, que ce soit IRL ou IG. Donc, va falloir que ça tourne. Tout ce que j'ai à dire, va falloir que ça tourne. Parce que Ah, c'est le chiant. lampon encore crée. Et puis j'ai un compte, ça veut dire qu'il Je a sais pas si fini t'as vu sur parfait. Twitter, j'ai raté mon permis pour 0,5 points. J'ai eu 19,5, il fallait 20. Et puis là, ouais, confirmation. Puis je termine toujours dernier ou où t'as le jeu qui. Le jeu qui crache ou des choses comme ça. Voilà, c'est. C'est ce qui se Toujours les passe ces versions derniers temps. sporadiques, c'est un peu plus rapide. Merci Rayeur, merci d'être passé. À plus tard. Bah écoute, tu peux essayer de faire la BOF3 67%. Tanjo, il a essayé, il a raté. Il a fini CF7 juste avant un combat et il arrêtait pas de mourir en boucle, il n'arrivait plus à passer le combat, il a abandonné. CF7%. Salut PLM. Non, de toute façon, j'ai pas de sous, donc je préfère y arriver par moi-même. Même si j'ai raté de 0,5 points alors que j'avais mal conduit, en conduisant bien, je devrais l'avoir. Ah, 4 secondes, pas mal. J'ai amélioré dans mon menu. J'ai gagné une seconde sur mon menu. J'ai pas mon préventif? Putain, sérieux. Puis au final, donc la
semaine dernière, j'ai fait une 50-19, je crois. Alors que la run n'était pas exceptionnelle. Je sais pas pourquoi j'ai pas eu mon préventif. 50-42 sur Steam. J'espère qu'à cause de ça, je vais pas avoir le combat là-dedans. Ok, non. Non, je l'ai eu plus tôt. Faire je rentre dans le menu plus tôt. T'es plus loin, non mais sérieux quoi. Pff, ouais, je viens de perdre au moins 15 secondes là. Merci. Bon, c'est pas grave, je suis direct. En fait, en rentrant dans le menu, j'ai essayé de skipper le combat, mais comme je sais pas à quelle case il va arriver, du coup j'essaye d'anticiper, j'ai réussi à anticiper trop tôt, du coup je suis rentré au moins 10 fois dans le menu, pour rien. Parce que le combat était plus loin. En avant sur le step counter, c'est pour ça que je viens de me recaser. Tu speed avant lui. Ah ouais, pas faux, ouais. Et tu restream mais sans son, quoi. Et comme Véronique. Ouais, tu restream uniquement son jeu, pas son overlay. Tu mets ton overlay autour, comme ça ni vu ni connu. Tard encore, j'ai encore pris des mauvaises trajectoires. Normalement, ce combat-là, je devrais l'avoir au niveau du point de sauvegarde. Allez, fuyez! 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 Non? C'est une run en fait nul. Normalement, je dois avoir un combat juste avant l'échelle. Ici, ok. Allez, ok. Non, quand même pas.
J'avais pas 20 pas ici. Kinos alors peut-être. Salut Tim. Putain, j'avais 20 pas à faire ici. Espérant que ça aille. Je pense que je fais des conneries de toute façon. Une fois n'est pas coutume, je vais passer par les ascenseurs ce soir. J'ai deux choses à tester, donc je vais en profiter. Contre-attaque, ça serait bien. Perdons encore du temps. Tout le monde est prêt de contre-attaque au moins. C'est un outil, merci. Kinos. Bah Kinos, de toute façon, je crois qu'il a tous les records du monde sur PC. Il a tout ce qu'il faut, c'est sur ce jeu, c'est un monstre. En plus, son jeu tourne rapidement, 34 FPS. Une vraie brute sur PC. Moi j'ai vraiment qu'ils viennent sur la version console.
J'ai gagné 2 secondes, génial. Back attack. Salut Lord, ouais, je sais, j'ai vu, ouais.
Alors, comment ça s'est passé le training à ton pote sur Lost Odyssey? Je suis passé faire un petit tour vite fait, mais j'ai pas posté de message et j'ai pas regardé jusqu'au bout. Ok, d'accord. Ouais, j'ai vu qu'il parlait américain, donc. Puis quand je suis passé, personne n'écrivait sur son chat, donc. Je me suis dit, je vais juste regarder. Ouais, ok, d'accord, je vois. Ouais. C'est-à-dire? Il n'a pas fait le passage avant, je connais pas du tout le jeu FF12. D'accord. Oh non! Putain! Oh! Le con! Ah, je sais pas, j'ai perdu combien de temps, ça me fait chier ça. Je me rappelais plus qu'il fallait la suivre. Oh, tiens. Sais pas trop quoi dire, ça aurait pu être un gold aussi, ça. Je ne sais pas. Gagner plus de 2 secondes et demie Ok, alors que je suis d'accord. allé chercher les terres. Dans le jardin d'Aéris.
Et mon pote, je suis à gauche, à gauche. C'est ça. C'est pour ça que j'ai appelé le split Barbie Girl. T'es déjà dans la maison de Cornéo, Carte? Non, je viens de récupérer la perruque là. Bon, ça va, t'as à peine une minute d'avance sur moi alors. Ouais, du coup, sachant que. Parce que je me dirige vers le truc là. Non, je dirais un peu plus d'une minute parce qu'il y a beaucoup de blabla quand même. D'accord. Bon, sachant que là, ce soir, je passe par les escaliers. Donc, du coup, j'ai dû aller récupérer les terres dans le jardin d'Aéris. Super. Si pute qui rentre pas, ça m'énerve. Et s'il fail pas deux fois, ça veut dire que je serai pas choisi par Cornéo. L'intérêt de fail une deuxième fois, mon pote. Je vous saute quand même. Bonne aide, putain. La version AMUF en fait. Il m'aura fait peur, hein, forêt. 19 squats, ouais. Sachant que le maximum c'est 21. Et j'ai fait une fois. Mis à part le skip du bar, je trouve que je l'ai plutôt bien géré la wall market. Parce que le skip du bar, je le fais pas trop dangereux en race. De la salle d'en bas, quoi.
Par contre, j'espère que j'ai pas fait d'erreur. Ah, mes déplacements, honnêtement, ils sont beaucoup mieux quand même, je le ressens. C'est ça qui doit jouer sur mes bons temps. Puis je spam beaucoup plus vite aussi. Je sais pas si ça se voit. Ah, Sneos, il a forfeit. Ah merde. Sneos, il vient de forfeit. Il a peut-être pas dû avoir le digestif ou pas la bonne robe peut-être. Ça veut dire qu'il serait au même niveau que moi, puisque je viens d'être choisi par Ducorneo. Non mais il savait que c'était mort, si quand t'as pas la bonne robe ou que t'as pas le bon digestif, tu sais que c'est mort direct, tu vois. Ouais, c'est vrai. Moi je vois que ça à cet endroit-là. Il a acheté du désinfectant au lieu d'un digestif. Non, c'est pas mon chat. Je donne combien? 46 secondes sur la run si je veux faire un sub 1h55, 47 secondes exactement. T'attends pas un PB ce soir, PLM, puisque je passe par les escaliers. Tu passes par les escaliers pour faire des tests? Ouais. Ouais. Je vais faire deux tests.
jouer le jeu en anglais ou en français? Moi, je suis en anglais. Moi aussi, je suis en anglais pour tester là. Ça devrait être bon pour Tifa. Une. Deux. Trois. Quatre. Good old Twitch. Là, on devrait être bien. Si ça mise pas, 48. Ok, c'est bon. Ça devrait être un mogol là, je pense. Voilà. Ok, il a pas eu le temps de faire son attaque finale, donc j'ai gagné une quinzaine de secondes. Ça se ressent sur le PB. Salut Poutine, comment vas-tu? Bienvenue sur le stream. Je suis bien au niveau du step counter, putain, c'est la première fois que ça m'arrive. Hein. Je commence à prendre des bonnes trajectoires. Oula, par contre. C'était pourri, j'ai dû faire 5 pas. Je passerai devant la locomotive, je pense que ça ira. J'ai moins de pas en passant devant la locomotive. Après la super potion. Si tu parles de moi, Poutine, non, je suis sur la version Square Enix, donc la version PC. On est tous ceux présents dans la race sur la version PC. Normalement, c'est la préventive. Non, même pas. Je comprends rien. Rapide. Putain, sérieux, monte. C'est super dur au niveau des déplacements, etc. Pour ok, ça roule, c'est... pour essayer de garder un step counter propre. Et merci pour le. On doit prendre des bonnes trajectoires, on doit pas se cogner, etc. Ok, bah bienvenue à toi alors. Si t'aimes bien les FF, tous les mercredis soirs, les jeudis soirs, les vendredis soirs, on organise des races entre nous. Donc le mercredi soir c'est FF9,
Le jeudi soir c'est FF8 et là comme tu peux le voir le vendredi soir c'est FF7. Et donc voilà, on a des temps à peu près respectables on va dire. Donc tout le mercredi soir, le jeudi soir et le vendredi soir à partir de 22h. Et sinon moi je speedrun à l'occasion du Breath of Fire 3, je sais pas si tu connais. Donc ça c'est plutôt le samedi, quand je suis motivé. Ah, beaucoup trop tôt. T'es obligé de faire les 15 pas dans les escaliers. Chier. Une 2-12. Bon, j'en ai fait 16 pour assurer. Et si je les avais fait en haut, j'aurais eu le combat pendant que j'étais en train de marcher. Une en retard. Ok. Y'a pas de soucis. N'hésite pas à follow la chaîne si t'es nouveau, donc tu verras un bouton suivre ou follow en bas à gauche de mon écran de stream. Comme ça, ça te permettra de voir quand je suis en stream ou pas. Allez, au moins deux, ça serait cool. Deuxième, oui, ça fait gagner un tour. Là, je viens de gagner un tour parce que j'ai lancé deux grenades avant qu'il lance la pyramide. Donc, du coup, ça devrait gloder. On fait deux grenades, allez, vite. Aussi. Ah non, il m'a stun Barrett. Putain, dommage. Dommage, dommage, dommage. C'est pas un glotte parce que il m'a stunné Barrett. 1-0-4-0-7 pour Reno. Non, non, mon step counter était bon. J'ai juste pris un peu de retard à la fin au niveau des trains parce que j'ai pris des mauvaises trajectoires. Du coup, j'ai eu le combat qui était pas un préventif juste avant de rentrer dans la locomotive au lieu de ressortant. Et du coup, j'ai dû faire mes pas à l'intérieur des escaliers pour éviter d'avoir un combat supplémentaire. Mais j'ai bien eu 1, 2, 3, 4 combats entre Abs et puis. Et Renault. Ok. Bizarre quand même qu'il ait pas été préventif parce que même si c'est avant de rentrer dans le train, il est toujours préventif celui-là. Ah, pour l'instant j'ai pas eu un seul préventif depuis le début du jeu. Pourtant je respecte bien le step counter. T'avais pas chargé une save ou fait un reset avant de démarrer là tout à l'heure? Non, pas du tout. Non, c'était pas un préventif. D'ailleurs, j'ai eu peur d'avoir la pincer au niveau de l'éther, mais je l'ai pas eu. J'arrive pas à regarder parce que c'est bizarre. Mais par contre, l'avantage, c'est que c'était pas une back attack après juste après. Ouais, c'est chaud quand même cette histoire. Je regarde. Ouais, je peux pas l'expliquer. Je me contente juste de suivre les pas, et puis voilà, tu sais. voilà. Okay. Salut, Sinaël. C'est typiquement le truc, t'as fait une partie, t'as fait un reset et t'as recommencé après. Non, j'ai redémarré mon PC puis j'ai démarré direct. Ouais, donc
J'avais chargé une partie, mais juste avant de redémarrer mon PC pour voir mes FPS, mais après j'ai requitté de toute façon, donc Bah, il t'a je quitté, sais pas. bah, t'as quitté de toute façon, donc. Leur démarrage, c'est censé quand même. Voilà, ça t'arrête le jeu et tout, donc ce serait vraiment étonnant que ce soit ça, quoi. Je regarderai. Qu'est-ce qui peut causer ça selon toi si on a les combats au bon endroit? Bah, à part le fait que t'aies pas fait une nouvelle partie, que t'avais déjà lancé le jeu juste avant pour tel ou tel truc, je vois aucune autre raison. Surtout au début comme ça, quoi. Bon, vous fuyez con, là. Putain, j'ai des fuites de merde là aujourd'hui. Non, pour l'instant, moi je me plains pas au niveau des fuites. Les personnes, elles ont le temps d'attaquer une fois maximum. Je suis troisième derrière Carte et Faradir, putain. Oh, c'est chaud ça. Faradir, il a combien de temps d'avance sur moi? N'hésite pas à venir participer avec nous pour les raids si Non, ça parce que les ennemis t'intéresse. peuvent Il y a des y notes, il y a avoir une tout ce qu'il faut différence à dans les ennemis si disposition et jamais t'as eu un combat. c'est vraiment une bonne ambiance. Hein. Pas forcément au même écran que ce qui est prévu d'habitude. Ça peut arriver quand il y a un combat qui est prévu à la toute fin d'un écran ou au tout début d'un écran, si t'es légèrement décalé, ça peut causer du coup des différences au niveau des ennemis. Mais là, Bah le les premier combat en sortant du train, il était tout à la fin de. Presque au niveau de l'écran noir. Et quand l'écran il est redevenu, j'étais sur l'écran suivant. Donc j'ai pu faire mes 13 pas. Ouais, mais non, c'est pas ça le truc. Là, ça influe pas ici. C'est pas ici que ça influe. Ça pourrait. Puis même dans le premier réacteur, ça pourrait pas influencer. Mais de toute façon, premier réacteur, t'as pas de combat vraiment à la toute fin d'un écran au tout début. Donc c'est bizarre. Vraiment trop en retard quoi. L'animation est super longue. J'ai 35 secondes de retard? Ok. Bah, Poutine, moi je te conseille d'aller follow aussi Card 7. Il est français et il a le record du monde sur FF7, sur PS2. Et je run contre lui là. J'ai 1 minute de retard. Putain. 1 minute de retard sur Faradir? Putain la vache. On est en train de me dire j'ai 1 minute de retard sur Faradir, il a fait Renault en 1h03 et 2 secondes. Alors que je suis en avance de 23 secondes sur mon PB. Ah mais il a fait un début très solide apparemment. Il a réussi le G6 skip, je pense, parce que on me disait qu'il avait jusqu'à 20 secondes d'avance sur moi avant de commencer le réacteur 5. Ah ok. Puis en même temps, il s'est bien entraîné aussi sur pour sa NI% là, ouais. Avec les skips, donc c'est le travail qui paye de toute façon. D'ailleurs, Liv, si t'es encore là, essaye de mettre le lien du multitweet, ça lui permettra de suivre C'est tous pas les runners en possible, même je suis une temps. grenade.
Encore que vu que j'ai pas réussi à fuir le premier combat. Salut LSDR, merci. Oui, après il a une minute d'avance, mais faut qu'il aille racheter des grenades aussi. Parce que lui, il prend les ascenseurs. Et il pourrait même finir premier s'il fait des bons ascenseurs. Ouais. Ça marche, Cataclysme, à plus tard, merci d'être passé. Merci Lif. Là, si je me démerde bien, j'ai 23 secondes à gagner. Ça me permettrait peut-être d'avoir une minute d'avance. Faut pas que j'oublie d'acheter les batteries. Ah, il monte le poteau là. Ouais, c'est dire que j'ai rattrapé du retard alors. Au moins une fois devant mon bébé. Là. Heureusement, j'ai roulé loin derrière. Le but est de savoir de combien. Ça veut rien dire que de ce soir et des que mes strats sont différentes et que je suis sur la version US. Mon bébé étant sur la version française. Ce temps faut qu'il a fini. Il reste 20 secondes pour monter là-haut. Parce que je veux pas écraser mon bébé fait sur la version FR. Un chrono fait sur la version
reste bien que meilleur, mais de mon point de vue, quand même moins. Donc je séparerai, je pense, les deux. Un goal pour une seconde. Toujours ça de prix. Et merci Poutine65 pour le follow. Thanks for the follow. Ouais, Poutine, il vient de chez moi, je l'ai envoyé pour découvrir ta chaîne. Bah, merci. C'est ce que je fais, ouais, du coup, LSDR. Mais il faut encore que je compare. Faudra bien que je compare toutes les vidéos. Parce que je sais même pas si la version Steam US est aussi rapide que la version Square Enix US. Parce qu'il m'avait semblé avoir gagné encore un peu plus de temps sur la version Square Enix. C'est 4 minutes de bonheur avec ces escaliers là. Marc, il me resterait encore tester la version Square Enix LR. Pour avoir tout essayé. La différence hein, entre un bon ascenseur et un passage par l'escalier. J'ai à peine commencé l'avant-dernier écran de l'escalier et mon goal de l'ascenseur est déjà fait. Calculer, faut quand même miser sur 25 secondes de perte après coup en passant par les ascenseurs. Et là, 25 secondes sont quand même largement dépassées. Ouais. 50 secondes de différence entre les escaliers et mon best ascenseur. Ok, les trois ont eu le temps d'attaquer. Là, si je dis rien, vous inquiétez pas, c'est parce que je me concentre au niveau des trajectoires, prendre des bonnes trajectoires dans les escaliers. Parce que c'est facile, des secondes qui sautent à chaque fois qu'on se cogne et on peut énormément se cogner dans ces escaliers. Même Faravir a pris les escaliers. Moi c'est exceptionnel, c'est juste à guise de test. Habituellement je passe toujours par les ascenseurs. Ok, normalement c'est le dernier là à faire. Sortie, elle va être tout au bout de cet écran là, il me semble.
Voilà. Ah, des bonnes ATB, please. Bof. J'ai mal géré la TB trick encore. Ouais, la filtration du bâtiment Shinra, c'est vraiment ce qui m'a fait rentrer dans le jeu. Jusque là, j'ai apprécié le jeu sans plus. Puis l'infiltration du bâtiment Shinra, à partir de ce moment-là, j'ai découvert. Il me reste moins d'une minute pour faire le cache-cache, putain, ça va être chaud ça. Enfin, un truc comme ça, au lieu du digestif. Donc, du coup, t'as fait des coups en plus? Je suis en train de le faire, je sais pas si je peux y arriver, mais j'ai testé. Bah, c'est assez chaud, surtout le deuxième combat. Ah là là, j'ai perdu plus de 20 secondes, c'est abusé. Oh, et puis j'ai pas fait gaffe, j'ai pas le mot de passe. Tant pis, on fera à l'arrache. C'est marrant ce 65ème étage, ça arrive assez souvent que le premier combat, j'arrive pas à le faire tout de suite. Et que... deux ennemis et le temps d'attaquer. Mais par contre, le deuxième combat, bah, je fuis tout de suite. Donc du coup, bah, les RNG s'annulent. Une chance sur 4. J'ai eu de fuite basique. Oh bah la dernière arme de Clad, je la trouve bien honnêtement. C'était Mako. Putain. Apocalypse aussi, si je me trompe pas, elle est bien. Tant pis. On a perdu du temps là-dessus. J'ai oublié que sur la version US, le mot de passe pouvait changer. J'ai réussi à changer. GG. Il y a certaines armes de Yuffie aussi qui sont pas mal, hein. Conformistes par exemple, Soleil Levant.
l'employé et la secrétaire vont se retrouver. Ah non, l'employé est trop rapide. Seulement de m'apercevoir qu'au 60e étage sur l'une des portes il y a marqué sample, donc spécimen en anglais. J'avais jamais fait gaffe. Oh non, la secrétaire de merde! Ça va. Je vais s'y repasser. De toute façon, on verra ça à la fin de la chose 512 parce que j'ai perdu du temps pour les mots de passe. J'ai pas noté les mots de passe, du coup j'étais YOLO, j'ai dû perdre une quinzaine de secondes parce que le mot de passe c'était le quatrième. J'ai une chance sur 4 et je suis tombé sur le quatrième. Donc ça c'est pas cool du tout. Pas trop grave, l'élément de base on en a pas besoin, mais bon, ça fait toujours 15 secondes de perdu bêtement. Puis sinon, Poutine, je t'invite à regarder dans ma bio, donc un petit peu plus bas au niveau du stream. Dedans, t'as différents runners français et US sur pas mal de RPG. Principalement des RPG, et c'est des gens que moi-même je suis et je conseille aux autres. Donc, si tu vois un jeu qui t'intéresse, t'auras sûrement le runner associé. Il est que de plus 30 alors que je me suis planté sur. Je me suis planté 4 fois sur le mot de passe. Putain, incroyable. On verra ça après le split à chaud 512, je pense. Forcément, avec le combat décalé, ça aide là. Thank you.
Nathalie file à World Record, je crois, en single segment sur, sur Splinter Cell. Une 55 sur sur PC, ça correspondrait d'après toi à combien sur sur PS2 fast loading? Ah, un sub 2 heures quand même, pas mal. Ça dépend si tu parles d'un 55.0 ou d'un 55.5. Là, je parlais d'un long, d'un 55.0 plutôt. Mais même si un 55.5, pour moi, ça correspond à un sub 2 heures. De peu, mais ça correspond. Clan est en train de prendre cher, putain. Ok, je reprends 50 secondes. Parce que j'ai pas eu mon menuing. En fait, mon menuing, je l'ai fait en bas de la tour Shinra. Où je mettais l'ATB en wait et. Puis j'ai eu un combat en moins aussi. Voilà, le combat il arrive là. Il arrive même un petit peu trop tôt. Ouh, c'était quoi ce foudre 2 là? T'as le salut de Slag, Néo. Pas accéder sur ton chat. Ah, salut Slag, désolé, j'ai pas pu répondre avant. Et une 34-37 pour HO 512. Bah oui, t'as moins de 3 minutes de retard sur mon PB. J'ai 49 secondes d'avance sur le mien et encore j'ai eu le combat juste après en fait. Si j'arrive à conserver ces 49 secondes d'avance, je peux faire le sub 1h55. Après, je sais pas si ça vient des dialogues, mais ma run elle est nettement meilleure que mon 1h55. Hein. Rien qu'au niveau des fuites.
Je me rendais pas compte, mais ça joue pas mal les fuites. Ah bah oui. Plus ou moins longues, ouais. Même si ça n'a rien à voir avec FF9, mais même les fuites, ça quand même. Sacré incidence. Salut Nico, salut Xu. Et encore, j'ai perdu du temps bêtement parce que comme je suis sur version UL, j'ai pas noté les mots de passe. Et du coup, j'ai essayé au hasard, c'est laissé tomber sur le quatrième. Pas de bol. Donc j'ai dû perdre, je sais pas, 10-15 secondes peut-être. Ouais. Ah, Néo, t'as aussi le bonsoir de Xio. Salut Xio, merci. Et de Fred. Et ben, salut Fred aussi. Ah. Salut tout le monde. Ah non, j'ai 20 secondes de retard, merde. Et de Back to the Game aussi. Merde, en perte de temps. Ok, merci. Back is back, Dylan is Dylan. Salut, Back to the Game. Il y a déjà le fait qu'effectivement il n'y a pas énormément de runners. Et puis il y a le fait bon, bah, mon principal rival qui est Carnage, il pourrait largement avoir le moyen de me concurrencer, mais ses strats sont tellement YOLO que le temps qu'il arrive à tout rassembler, ben. Je sais même pas si ça arrivera un jour. On va gagner du temps ici parce qu'il n'y a pas eu l'animation d'attaque super longue des ennemis. En assurant un peu plus ses runs. Salut Bandit! Ah, excuse-moi, je t'avais pas vu. Ouais, on va essayer de PB, on va essayer de PB. Là, c'est bien parti. Après, il y a encore un facteur RNG qui peut Kinos arriver pourrait avec les ennemis parfaitement mitrailleuses s'il concurrencer, m'endort mais des persos. bon, comme lui il run sur PC, on n'est pas dans la même catégorie. Boule motorisée, il y a moyen que je gagne du temps parce que j'ai pas utilisé la nouvelle strat sur mon PB. Donc il y a moyen de PB si je fais pas le con et que j'ai de la chance. Après, il y a des gens qui frappent à la porte. Hein. Destom, s'il avait continué, il aurait eu aussi pu. Enfin, il était en mesure de faire un sub 7h50, il aurait vraiment pu se rapprocher. Oh, excuse-moi, je suis Était à tellement coup aussi, concentré hein. dans la run que S'il j'avais continue même à la pas fait attention au prochaine run, message. J'ai jeté un coup d'œil, il j'ai vu sera Back sur to le the Game par prochain. rapport à la longueur de son nom et le fait que c'était en violet. Bah, le vieux, il commence à être aveugle, hein. Le mec qui cherche des excuses. Non, je déconne, là je suis bien concentré dans ma run et... Jette des coups d'œil de temps en temps au chat quand je peux.
Ah, tu m'étonnes. Donc soit on met à base une C'est pour ça qu'ils veulent nous, ils vont nous faire payer une redevance sur les ordinateurs ouais, parce que les gens regardent même plus la télé, ils passent leur temps sur Twitch. Ou ils regardent la télé sur internet. Alors Rufus, ne vous étonnez pas, je tente une nouvelle strat. Je peux mourir. C'est une strat qui sert à rien pour l'escape Midgar, mais c'est pour tester pour la full run. Bah Metaco a toujours un peu de mal avec les mudkits. Je garderai pour la deuxième. J'espère qu'il n'y a pas m'endormir un perso, ça va jouer là-dessus. De lancer au minimum 3 bravoures dans mes gardes. Putain. Après tout, Tommy m'a déjà parlé plusieurs fois. J'étais pas spécialement sur le 45, c'était la deuxième place de Carnage. Allez, putain, vite, on perd du temps là. Putain. Allez, il reste une grenade à mettre. Non, les limites elles m'ont fait perdre plus de temps qu'autre chose, j'aurais mieux fait de pas les utiliser. C'est un peu plus risqué d'être en première ligne, mais faudra vraiment un coup de balle. Putain, fais chier. Ah, j'ai voulu tester un truc, j'ai perdu, tant pis. Ouais, ça prendrait tout le temps à payer les persos. On se bat à la grenade. Il fait plus vraiment de YOLO hein, sur des masquettes. Il le passe beaucoup plus régulièrement. Il perd un petit peu de temps, mais au moins il le passe. Ça lui permet de se familiariser avec les CD2 et 3 où il y en a.
enfin une perte du temps quoi, parce que comme ça fait vraiment longtemps qu'il avait plus fait ces deux derniers CD. En fait, les grenades, t'en achètes 68 donc pour faire tous les Scape Midgard, donc ça te sert pour tous les boss. Et sinon, tu fuis les autres combats. Et les grenades, t'as pas aussi fort qu'une limite, mais t'as moins de temps d'animation. Je comprends. Donc en fait, on compte les ennemis en grenades, comme tu vois, les mitrailleuses, et puis l'autre d'avant sans artilleur. Ouais, sans artilleur, il lui faut 12 grenades. Les mitrailleuses, il en faut 8. Pour voir d'où il en est. Jusqu'à Demon's Gate, voilà, on se tient à niveau chrono, on se tient jusqu'à Demon's Gate. Ouais, j'ai vu son Escape Midgard à 12 tout à l'heure. Hâte de voir ce que ça donnait. Vraiment. La dernière fois le jeu il avait planté, là en arrivant sur l'autoroute, on verra si ça recommence. C'est quand même bien quand même de le voir sur FF7. Mais non, c'était la faute à pas de chance quand ça avait planté. Une rouge, reculer, si, voilà, dégage. Je suis à 27 FPS sur l'autoroute. 27,5 à peu près, entre 27,1 et 27,5. Bon, 27 environ, on va dire, entre 27 et 28. C'est déjà mieux que 26 déjà, voire 25. T'es à combien toi sur l'autoroute? Parce que je pense que tu l'as passé l'autoroute là. Ouais, je suis à 28, entre 28,5 et 29. Ok. Oui, Delta, je fais la route dans quelques semaines. À moins que le spelling soit très rapide pour apprendre la run. Démarrer avant lui, sauf si il est déjà quasiment prêt. Trop d'exclus. Et donc là, quand on a les motopam, le bouton carré pour les empêcher d'avancer, c'est des froussardes. Oh, je suis content, en gros, j'arrive à lui tenir tête alors qu'il a un très très bon début de run. Quoi qu'il arrive, même si je termine derrière lui, je suis très content de ma run là. Même si je PB pas, c'est pas grave. Mais en tant que j'étais pas content d'une run comme ça. Une 51-31. Non, on utilise des petits glitchs, Poutine. Mais ça fait pas gagner tant que ça. Ça fait gagner peut-être une minute sur 2 heures de jeu, quoi. Enfin, sachant que j'en utilise que 2, je crois, voire 1. Non, 1, 3, quatre,
jeudi 31 pour la race Nuki parce que 26. Parce que moi mon timer 26 c'est au moment où je quitte le dernier écran de Midgar. Alors que pour la race c'est au moment où je suis sur la manche. 5. Donc il y a quelques secondes de décalage. Donc 51-26 pour mon propre timer, mais 51-31 pour la race. Ah bah parce que c'est l'équipe Midgar, oui. Importante. Tu vois, et puis il n'y a pas que des dialogues, il y a aussi le glitch de fin où tu peux perdre plusieurs secondes à le réussir. Ah, j'espère que j'ai pas mis trop de temps. Ok. J'avais dit que j'avais pas utilisé la nouvelle strat sur le boss. Du coup, 20 secondes de gagner. La Master Race sur A Link to the Past dans 3 quarts d'heure. Bon, d'ici là, je vais m'entraîner, je vais en faire une ou deux. Enregistrer ses splits. Donc, non.